Les choses qui m'intéressent surtout dans les bois morts, c'est un petit peu comme chez une personne. C'est beaucoup de choses cachées dedans, qui nous découvrent avec le temps, qui nous creusent, si nous parlons ensemble, par exemple. Et c'est ça, des secrets qui sont cachés dedans. Une des bois préférées, c'est l'olivier. Ça se tourne vraiment bien, ça sent bon, c'est magnifique. Moi-même, j'ai ramassé ça au sud. Et après, une autre bois qui j'aime vraiment bien et aussi beaucoup de personnes qui apprécient, c'est les septévignes. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est les couleurs naturelles, les veines, les nœuds, et pas des vagues ou des formes. Parce qu'un stylo, il est important, lui est bien confortable pour écrire. Moi, j'aime bien si des clients sont fascinés pour mes stylos et me demandent une pièce unique que j'ai besoin de sortir de ce morceau de bois. Si c'est un petit peu plus des veines foncées, plus claires ou des nœuds. Et pour trouver ça exactement dans un morceau de bois, vous ne voulez pas d'abord dans son cœur. Et je coupe le bois et là, je sens de temps en temps, ah oui, là, je trouve ça que les clients voudraient. Et ça, c'est vraiment chouette d'arriver à ce point-là.